La prof française impressionne tout le monde dès qu'elle débarque quelque part. Mais c'est pas vraiment le cas pour la prof malchanceuse. Bonjour la classe! Bonjour Mademoiselle Foxy! À l'attaque! Mais Mademoiselle Foxy esquive les boulettes de papier hyper facilement. Oh non! Non, non, non! Ce comportement est inacceptable dans ma classe. Vous allez voir ce qui vous attend. Oh non! À l'abri! Je vais vous donner une bonne leçon. On a compris, professeur. Bonjour les amis! Mademoiselle Mabel est là! À l'attaque! Non! Arrêtez ça tout de suite! Raté! Vous avez vu ça? C'est trop drôle! Qu'est-ce qui est si drôle? Loser? Mais c'est scandaleux! J'ai besoin d'un tableau propre. Oh! Aïe! Ouf! J'ai failli la faire tomber! Wow! 5 points! Oh, merci les filles! Même les juges les plus stricts ont apprécié ces gestes habiles. La classe, silence! Oh non, j'ai cassé mon crayon! Aïe! Et mon talon aussi! Oh là là, pas de chance! Un point! Moi, je mets 2. Stop! Le cours est terminé! Ce test est trop dur! En plus, tricher, c'est impossible! Miss Foxy nous surveille comme un faucon! Ah, ça va prendre une éternité! J'ai tellement envie de dormir! Je sais! Je vais faire un masque de nuit avec ce que j'ai sous la main! Voilà! Personne ne verra que je dors comme ça! Découpe les yeux d'une image des magazines en forme de masque de nuit. Fixe-les avec du scotch double face sur le masque. Miss Foxy, bonjour principal. Oh, vous passez un test. Je m'en vais. Pas dormir. Pas dormir. Je sais. Je vais découper un masque avec mon visage dessus et je pourrai dormir en paix. Mais Mademoiselle Mabel s'est un peu mélangé les pinceaux. Comment on répond à cette question? Wouah, regarde la prof! Mais elle est folle! Prends mon anti-sèche! Suzy, regarde! Quoi? Non, je dors pas! C'est l'heure du selfie! Les filles, je peux me joindre à vous? Bien sûr! Souriez! Je dois y aller! On va voir ce que ça donne! Oh non! Mais c'est horrible! Il n'y a que la prof qui est belle sur les photos! On va prendre un selfie ensemble! Un selfie avec des élèves populaires. Faut que je les rejoigne. Qu'est-ce qu'elle a, Miss Mabel? Viens, on sort. Pourquoi elles sont parties? C'est les meilleures photos de moi de tous les temps. J'adore! C'est donc ça, la façon parfaite de corriger des tests. Fini la routine ennuyeuse de travail. Découpe des notes dans du papier mousse épais. Colle-les sous une chaussure. Miss Foxy! Eh oh, Miss Foxy! Vous vous êtes endormie. Oh, c'était qu'un rêve! Dommage! Et la touche finale? Mais je dois encore corriger les tests. C'est tellement ennuyeux. Non, non, non! Je peux pas aller dans la trousse. Ah! Est-ce que je me suis endormie? Il est quelle heure? Je suis en retard! J'ai corrigé les derniers devoirs. Voilà vos cahiers. En plein dans le mille! Wow!
sacrée rédaction. Ok, reprenez vos cahiers. Bouge! Mademoiselle Mabel! Ah! Compris, je reviens plus tard. Bon alors, c'est quoi ça? Donc, t'as des antisèches. Tu pensais que j'allais pas les capter? Qu'est-ce que c'est que ça? Honte à toi! Tu crois que c'est drôle? Je vais prendre toutes vos antisèches. Vous auriez dû réviser. Tu l'as bien mérité. Belle prise! Suzy, c'est quoi la réponse au numéro 2? Je sais pas. Je m'en rappelle pas. Je vais trouver toutes vos antisèches. Peu importe où vous les cachez. Des emballages? Des pots d'orange? Du papier? J'ai un sac rempli d'ordures à cause de vos antisèches. Incroyable! Wow, Eva, Matt! Il y a une antisèche géante sur le dos de la prof. On a trop de chance! Suzy, montre-moi les Maldives. Par ici! Ouais, c'est ça! Ah, les tropiques! Quoi? J'ai gagné un voyage aux Maldives! Je pars en vacances! Au revoir tout le monde! Bon alors, j'ai besoin d'un globe. J'attends. Merci. Quoi? Il est minuscule. Imprime et découpe une carte du monde. Attache-la sur une balle de ping-pong. Fais un trou. Insère un cure-dent. Coupe la longueur en trop et colorie-le avec un marqueur noir. Ajoute un morceau de papier mousse. Joins le papier mousse épais avec le morceau de cure-dent. Assemble le mini-globe. Eva, où se trouve Singapour? Ici, je crois. Je dois vérifier. Oui, t'as raison. Ensuite, je vais appeler... Andy. Les profs vont avoir une petite surprise. Bon appétit! Mélange 150 g de yaourt avec 150 g de sucre, 2 œufs et 60 g d'huile végétale. Mixe le tout ensemble. Ajoute une cuillère à café de levure chimique dans 250 g de farine. Mélange les ingrédients. Ajoute du colorant alimentaire. Ajoute 250 g de myrtille congelée. Remplis des moules avec le mélange. Enfourne 20 minutes à 180 degrés. On va discuter du sujet. Pourquoi il y a des muffins ici? C'est trop mignon! Celui-ci est pour moi! Tout le monde est d'accord avec les modifs? Absolument! Bon travail! Oh, Miss Mabel! Ces cupcakes sont trop bons! Je suis rassasiée! Moi aussi! Oh, bien sûr! N'attends pas! Appelle-le tout de suite! Miss Foxy ne mange jamais de burger sans ketchup. Ouais, je peux parler! Je suis juste en train de manger et de corriger les tests. Pas une seule bonne réponse. C'est nul! Je crois que c'est l'heure de manger. La livraison? Je veux un burger sans cornichons. Pas de cornichons, hein? Aucun! Oh cool! C'est encore chaud! Et ça sent tellement bon! Quoi? Un cornichon? Il y a que des cornichons? Mais c'est horrible! Ce service est trop nul! Ils ont tout confondu! Je vais devoir encore sauter le repas! Félicitations! Vous êtes la prof de l'année! Oh, c'est trop sympa! Où est mon cadeau? Ah, j'ai failli oublier! Ton chèque de 10 000 $! Merci! Je suis tellement reconnaissante!
On doit aussi féliciter Mademoiselle Mabel et lui donner un trophée. Bravo à la prof du mois. Tiens, ton trophée. C'est pour toi. Étale de la pâte de pain d'épices. Découpe un trophée. Fais-le cuire au four pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Laisse-le refroidir et couvre-le de glaçage coloré. Frotte de la poudre nacrée dorée dessus une fois le biscuit durci. Merci! Bah vous allez où? C'est pas un vrai trophée! Je suis couverte de sucre! Merci, je vous attends! Tout le monde, j'ai des nouvelles à vous donner. Mademoiselle Foxy, vous avez obtenu le poste d'échange. Bravo! À Londres? Cool! Bah, évidemment, comme d'hab. Bonjour! Je suis le nouveau prof. Salut! La nouvelle classe est pour... Moi! Et moi alors? Tiens, c'est ton planning. Au boulot! Où est ma liste de profs? Félicitations, Mademoiselle Mabel! Maintenant, on a un nouveau prof malchanceux. Tu as aimé notre vidéo? Alors, dis-nous dans tes commentaires si toi, tu as un prof chanceux ou malchanceux à ton école. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos hilarantes de Troum Troum.